Louise Monod et Samir Boitard, si est-il une histoire qui dure. La comédienne file le parfait amour avec Samir Boitard. Entre eux, tout a commencé en 2012. Une idylle née sur les plateaux de tournage. À l'époque, ils se donnent la réplique dans le téléfilm intitulé Où es-tu maintenant ? Qui est une adaptation du roman de l'écrivaine américaine à succès Mary Higgins Clark. Un film policier, dans lequel la comédienne interprétait le personnage de Caroline. Par la suite, leurs chemins se sont recroisés dans le cadre de projets communs. Samir Boitard et Louise Monod se sont donné la réplique dans le drame Mémoire de sang, diffusé sur France 3 en septembre 2018. La jeune femme incarnait alors le personnage d'un médecin anesthésiste au CHU de Nantes. Pour sceller leur amour, ils ont accueilli une petite fille en novembre 2016. Un amour discret dans une famille épanouie. Samir Boitard a 42 ans, Louise Monod en a 39. Le 15 juillet dernier, elle partageait une photo de sa petite dernière en vacances. En effet, le couple a accueilli la petite Selma, qui fait le bonheur de ses parents. Peu après sa naissance, la comédienne révélée notamment par ses rôles de Dolores dans OSS 177, Rio ne répond plus et celui de Léa dans Les Petits Mouchoirs, avait posté une photo d'elle en train de tenir Selma, les pieds dans l'eau d'une piscine. Si les photos des enfants sont nombreuses, celles de Samir Boitard sont plus rares sur les réseaux sociaux. Comme un besoin de préserver ce petit cocon familial. Le 16 juin 2019, elle publia toutefois un message sur Instagram à l'occasion de la fête des pères. Joyeuse fête des pères au meilleur des papas, écrivait-elle tendrement. Un couple soudé.